to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, on va passer un week-end sur Paris. Du coup là on est à l'aéroport, c'est Juju qui nous a amené, elle a été super gentille pour pas qu'on paye le parking pendant 3 jours. Ça aurait été super cher de laisser la voiture ici. Du coup il est reparti avec notre voiture et du coup là on vient de s'enregistrer et on va pas tarder à embarquer avec Elias. Voilà voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure. Depuis la chambre d'hôtel qui est totalement canon, c'est un truc de fou comme c'est design, comme c'est créatif, le thème j'adore, c'est sur Star Wars, donc Elias il est trop content, Romain aussi, vous allez voir, on va vous montrer tout ça. Donc on est au Paris Charles de Gaulle Airport, c'est celui près de l'aéroport, donc vraiment on a pris 2 minutes pour se rendre à notre hôtel, ce qui est plutôt vraiment pratique. Du coup je vous fais le petit room tour de la chambre qui est totalement canon, ils ont vraiment des styles assez, assez uniques. C'est vrai que dans les Ibis généralement ils ont des thèmes bien précis, celui-là est canon, c'est sur le thème de Star Wars, donc Elias comme je vous disais est super content. Je vais vous montrer la salle de bain, elle est vraiment belle. Donc voilà la salle de bain qui est vraiment très très jolie aux couleurs du coup du thème, c'est très très sympa. Donc quand on rentre on a ce premier lit. Où Elias va dormir ce soir, il va être super bien. On a les jolies serviettes pliées d'une façon très Star Wars je trouve. Elias a emporté tous ses petits jouets, d'ailleurs il a emporté sa petite figurine, regardez, Star Wars, il était trop content. Et ensuite on a une autre petite pièce avec la télé, juste ici on a un meuble pour ranger les affaires, vraiment super joli. Et voilà, sur le thème de Star Wars, regardez comme c'est beau avec la lune, etc. là-bas. J'adore, c'est vraiment design, c'est vraiment joli. Je vous montre aussi de ce sens-là, du coup, pour que vous puissiez bien voir la chambre dans sa globalité. Elle est vraiment trop, trop canon. Elias est en train de regarder un petit dessin animé parce qu'il était fatigué en rentrant et là, il a super faim. Donc, on va pas tarder à aller manger. On a reçu des beaux cadeaux. Elias a reçu ce calendrier de l'Avent sur le thème de Star Wars. Donc comment vous dire qu'il est trop content et très très impatient de manger les chocolats. À mon avis il va pas attendre le 1er décembre pour manger. Donc merci beaucoup Ibis pour les petits cadeaux. Et ensuite il a eu un jeu Mon Petit Renard, c'est un kit créatif de l'atelier imaginaire. Donc il a été super gâté pour pouvoir s'occuper pendant le séjour. C'est trop génial d'avoir des petits cadeaux comme ça. Donc encore merci à Ibis pour les petites attentions. Elias va pouvoir s'éclater. Je trouve ça chouette des hôtels aussi design avec un thème précis, ça permet vraiment de passer un bon séjour et de se projeter un petit peu dans un thème et je trouve ça vraiment joli, c'est très design, très créatif. On va passer une bonne nuit, on va bien dormir et Elias est surexcité, il courait partout tout à l'heure quand il a vu un peu le thème, il était trop content parce que comme vous le savez il adore le sabre laser, alors comment dire que le thème lui plaît énormément, il va passer un super bon moment. On vient d'arriver dans le restaurant de l'hôtel, franchement elle est trop trop chouette, tout est fait maison, ils ont une carte vraiment fait maison, puis regardez la carte elle est trop rigolote, il y a une fusée dessus, et puis pour les boissons c'est un passeport, donc comme on est à l'aéroport je trouve ça très rigolo, c'est vraiment sympa, c'est bien fait. Petit doodle pour patienter. Non, il n'y a pas le triangle, il est où le triangle de là? Il n'y a pas mais il y a le 4.
tout. On vient de terminer de manger, c'était super bon, on s'est régalé. L'hôtel est canon, même l'entrée, etc. Le hall d'accueil, les petits coins pour se reposer sur le thème de Star Wars. Il y a des jeux rétro gaming, donc vous connaissez Romain, il en est fou. Et voilà, je vous l'avais dit, s'il y a des jeux comme ça, on ne voit plus Romain, c'est fini. En plus, il est trop beau le truc, c'est un flipper. Alors, est-ce que t'es toujours aussi fort comme avant? Oh, un peu moins. Regarde, il a mangé, Groot, il a mangé la balle. Tu viens de suite? Non, t'as pas appuyé, voilà. C'est bon, elle arrive, regarde, elle arrive, appuie fort. On vient de remonter à la chambre. Elias fait des activités manuelles avec, vous savez, le petit kit que je vous ai montré tout à l'heure avec mon petit renard. Donc dedans, il y avait plein d'activités manuelles, donc des crayons, des ciseaux, de la colle. Il y a un petit livret avec plein de choses à faire. Donc ça l'occupe pas mal, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis après, on va regarder ce qu'on va manger ce soir. On va aller prendre un bain aussi. Hein, c'est vrai Elias? Tu vas prendre un bain ce soir? Non. Ah bah si, un bain chaud. On vient de revenir des jeux, Elias s'est plutôt bien amusé aujourd'hui, on a passé une journée assez calme. Là on va manger et on va se reposer pour demain, la grosse journée qui nous attend pour Disney. Du coup on a choisi un repas un peu différent que tout à l'heure. Mais voilà, on s'est de nouveau mis dans le restaurant, mais regardez la déco comme elle est canon. C'est vraiment partout comme ça où il y a plein de déco sur le thème Star Wars et c'est super beau. Bon, ça y est, c'est le soir. On a quand même bien travaillé aujourd'hui. On avait quand même pas mal de campagnes à préparer. Donc on a beaucoup fait de vidéos, montage vidéo, etc. Elias, il s'est pas mal reposé, occupé également avec les petits jeux qu'il y a dans l'hôtel. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il a juste trop hâte. Il était surexcité aujourd'hui parce qu'il sait qu'il va à Disney demain. Donc il sait qu'il va voir les personnages et tout ça. J'ai hâte de voir sa petite tête quand il va voir tout ça. La première fois qu'il y a été, c'était... Il était tout bébé, il avait je crois un an et deux, un an je pense, c'était ça Romain? Il devait avoir ouais, un an. C'est ça, il était tout petit. Ouais, il était tout petit. Il était fasciné par la maison des poupées que Eden avait adoré aussi. Ouais, on y et avait été. J'ai hâte moi aussi de refaire cette attraction et de me rappeler de tous ces souvenirs avec Eden. C'est clair, donc on y avait été avec Eden et Elias. C'était trop bien, on avait passé une super belle journée et ça va nous rappeler de jolis souvenirs puisque nous, la première fois qu'on a été à Disney, bah, c'était avec Eden et Elias, donc du coup ça va nous rappeler de jolis souvenirs. Donc voilà, on se retrouve dès demain. Coucou tout le monde. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es content d'aller à Disney aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Ah bah oui, on a trop bien dormi, hein. C'était une super bonne nuit, hein. Oui, c'est vrai. Coco. Enlève ta tutute pour parler. Coco et t'as eu un gros lit, toi, pour toi tout seul. Maman. Coco et fais des crocos dans ton lit. Arrête de dire des bêtises. Coquino. Nata et Coco. On vient de remonter, on a pris le petit déjeuner, c'était canon, il y avait plein de choix. C'est un buffet donc on a pu se servir comme on voulait, il y avait pas mal de monde donc je ne vous ai pas filmé.
vous filmerai ça demain, le petit déj de demain. Elias est tellement impatient d'aller à Disney, on va mettre les manteaux et on va filer de suite. On se retrouve directement dans la navette, comme ça je vous montrerai un petit peu. C'est pas très loin la navette, c'est super pratique du coup avec cet hôtel. On prend la navette et puis ça nous emmène directement là-bas. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Bon, nous voilà dans la petite navette pour aller jusqu'à Disney. C'est bien, ils ont des petites navettes puisque l'hôtel est juste à côté de l'aéroport. Il y a juste à traverser avec les petites rames et on prend la navette. Il y a des navettes toutes les 20 minutes je crois, donc plutôt pratique. Et du coup on va directement à Disneyland. Elias est méga content de prendre le bus. Si vous saviez, regardez par la fenêtre, il regardait tous les bus. Oh maman, il y a deux bus, il y a deux bus. Il était trop content. C'est l'événement pour lui d'aller dans le bus. Il est plus content d'aller dans le bus que d'aller à Disney même. Il nous parle que du bus depuis tout à l'heure. C'est un petit esquimau. Il est bien emmitouflé. Il fait très très froid ici, vraiment. Je regrette de ne pas avoir de bonnet. Oui, je crois qu'on va s'en acheter un à Disney, n'est-ce pas Romain? Oui. Bon, ça va, Elias est très bien couvert. Oui, je lui ai mis le bonnet, le cache-nez, le pull, la veste et le manteau. Il est super bien lui, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, on vient d'arriver à Disneyland et c'est trop beau déjà comme c'est décoré, etc. Juste l'entrée là, c'est trop beau. Par contre, l'attente devant, c'était super long, il y a vraiment beaucoup de monde. On a bien passé une heure dans les contrôles et pour entrer dans le parc. Ouais, c'est clair, mais bon, maintenant ça vaut le coup. Ouais. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Santa's gonna come and join us in this song. Or the windows in the rain is pouring. It will always be
me Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. T'es content? Oui. On va vite, Cars, oui. En tout cas, la voiture est magnifique. Ah ouais. Bon, je vous reprends après cette grosse journée. On est dans le petit bus qui se rend jusqu'à l'aéroport. Et du coup, on va pouvoir rentrer à l'hôtel. On va manger un petit McDo juste avant de rentrer. Parce que là, on a super faim. Et on a eu super froid aujourd'hui, mais c'était super chouette. Il y a beaucoup, beaucoup de monde quand même à Disneyland à cette période de l'année. Je pense que c'est l'influence qui est comme ça toute l'année, parce que Disney, c'est tellement féerique. Bon, en tout cas, on a passé un super bon moment. On a eu beaucoup de chance. On a vu correctement la parade. On a pu faire quelques attractions et puis voir surtout la décoration et le village de Noël, le village de Disney. Donc, c'était plutôt chouette. Et du coup, voilà, regardez Elias. Elias, il fait dodo sur papa, il est épuisé de sa journée. Bon, on vient d'arriver chez McDo. Elias, il est fatigué, mon loulou. Il s'est tellement dépensé aujourd'hui. Puis il faisait tellement froid aussi. Donc voilà, là, il est fatigué, Coco. Mais on va bien manger, ça va faire du bien. Après, tout de suite, au dodo, dans le grand lit. D'accord? Petit chat? Coucou à tous, je vous reprends le lendemain. On a passé une superbe journée à Disney, c'était vraiment chouette. Elias s'est éclaté, il a adoré voir Cars, il était trop content. Nous, c'était un peu émotionnel au moment où on a fait le jeu La Maison des Poupées, parce que ça, c'était le jeu préféré d'Eden. Quand on y était, il avait tellement eu de réactions, puis on a de beaux souvenirs là-dessus. D'ailleurs, j'essayerai de chercher la petite vidéo, puis vous la mettre là juste après. Ça a été filmé avec un téléphone, mais je pense que ça peut être super sympa de vous mettre nos petits souvenirs. Donc voilà, on était un peu nostalgique pour ça. Mais sinon, en soi, on a passé une très bonne journée. C'était vraiment chouette. Il a fait quand même sacrément froid. On était gelés, mais c'était cool quand même. Il y avait aussi pas mal de queues. On a pu faire quand même pas mal de petites choses. D'ailleurs, on a très bien vu la parade. Donc ça, on était trop contents. Et puis, on a pu faire quelques jeux assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Puis on était venu aussi pour la décoration de Noël. C'était vraiment joli. On est trop contents d'avoir pu découvrir Disneyland à la période de Noël. Ça, c'est cool. Et puis ben, là, on a très bien dormi. On a pu bien récupérer. On va prendre le temps d'aller prendre le petit déjeuner, etc. Et puis comme ça,
on pourra repartir tranquillement jusqu'à la maison, n'est-ce pas Elias? Qui est fatigué encore? Hein, tu as faim? Oui. On va aller prendre le petit déjeuner? Non. Non, pas des chocolats. Elias, il veut tous les jours, il veut manger les chocolats du calendrier de l'Avent. Du coup, direction le petit déjeuner. Elias, tu montres ta tenue. Ta petite tenue, parce que t'es vraiment beau. Hein. Et voilà la petite tenue d'Elias. Il a un petit pull marron, il est trop beau. Voilà. C'est écrit quoi sur ton pull? Forever smile. Toujours souriant. Check. Beau gosse. Bon, on vient d'arriver au petit déjeuner. Il est bien gourmand ce petit déjeuner, hein, c'est vrai Elias? Elias, il a déjà mangé 2 crêpes. Il s'est régalé, hein. Tu veux encore des crêpes? Oui. Oui, et il m'a piqué mon yaourt. Il a mangé une tartine, il se régale ce matin. Il fait le gourmand, hein. Ouais, toi t'es fort, hein, tu manges beaucoup. Le froid, ça creuse. Romain aussi, il s'est pris un bon petit déjeuner là. J'ai pas encore commencé. Et puis moi j'ai pris ça, mais la moitié de ce que j'ai pris, Elias l'a mangé en fait. On était très fatigués pour revenir. En fait, Romain, comme il avait laissé sa voiture à Juju, je vous l'avais expliqué, du coup Juju travaillait, donc on n'avait pas pensé à ça, et du coup on a dû à l'aéroport prendre le bus pour ensuite prendre le train pour revenir à la Ciotat. Et Juju a pu venir nous récupérer quand même, elle était super gentille, directement à la gare, ce qui fait qu'on a pu rentrer, mais on était vraiment fatigués en rentrant. On est rentré un peu assez tard, on a mangé pizza du coup avec lui. Et puis au soir, avec Romain, on s'est posé devant Haro d'ailleurs, on a eu du mal à décrocher. Mmh. On était fascinés par cette saison, c'était trop on cool. On s'est couché, il était quoi, 1h du matin? Il était 1h du matin, on était fous. Et on a hésité à en relancer. Ouais, et là j'ai dit, bon Romain, j'éteins la télé parce que ces séries, ça commence à bien faire. Hein. Autant enivrante, là c'est bon. Ça va terminer en nuit blanche. Ouais, c'est clair. J'ai trop hâte d'en voir un autre, mais bon là je peux pas, je peux plus... prendre du temps pour moi, là je dois travailler. Je vous en reparle, n'hésitez pas à aller vous abonner à l'autre chaîne Positive où on va vous publier toutes les vidéos face caméra. Il y a prochainement, là d'ici quelques jours, il y a la vidéo de présentation qui sort. C'est soit je la tourne aujourd'hui, soit demain, pour pouvoir vous la sortir très bientôt. On hésite de faire un FAQ justement pour faire cette vidéo de présentation. Ouais, on pense peut-être faire une FAQ comme Romain disait pour faire la présentation, ça pourrait être super cool. Voilà, du coup on va vous faire tout ça, et puis comme ça vous pourrez continuer de suivre un petit peu nos aventures. Voilà, ne vous inquiétez pas, les vlogs pour le moment sont toujours publiés ici. Pour le moment ils nous ont pas enlevé le bouton abonnement, ils nous ont pas enlevé les boutons like et dislike, ils nous ont pas supprimé d'autres choses que les commentaires. Donc si c'est que pour les commentaires pour le moment, ça va, mais ça va arriver, donc on le sait. Donc on verra bien dans les prochains jours ce qui va se passer, mais en tout cas pour le moment vous retrouverez toujours nos vlogs ici sans problème. Et puis ensuite n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de suivre nos petites aventures. Et si il vient avoir d'autres restrictions, vous savez où trouver les vlogs, ça sera sur Instagram, en sachant qu'on vous préviendra quand même sur YouTube, enfin bref, vous savez. On a été un peu absent ce week-end parce que tout simplement nos journées ont été très très chargées. On avait du contenu à préparer aussi pour Ibis, donc il fallait qu'on travaille sur des plans, etc., un peu plus poussés que d'habitude. Donc du coup on a été assez occupés. On a passé aussi une grosse journée à Disney, et il n'y avait pas de wifi, donc ça n'arrangeait pas les choses. Voilà, du coup je vous fais un énorme bisou, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre oui, nos téléphones sonnent sans arrêt, on a plein de choses à faire. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao. À demain.